Tonight, on a very special episode of Cell Damage, will Violet finally learn of the disease that's slowly killing her? Will Cinder finally become house-trained? We'll just drive around way too fast and blow up everything in sight like we do every week. And don't forget to call in during the show and buy crap that you'll never need. Not available in all states. Cell Damage. Tonight at 8. Bonjour à tous et à toutes, c'est le Bombers, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur Cell Damage, un vieux jeu que j'ai réussi à avoir grâce à Sifel. Merci Sifel encore une fois pour m'avoir fait découvrir ce petit émulateur. Donc grâce à cet émulateur justement, j'ai pu récupérer un jeu auquel je jouais quand j'avais... je sais plus trop quel âge j'avais, je devais avoir peut-être 6 ans, même pas, et encore... je jouais avec mon frère sur GameCube à Cell Damage et c'était une tuerie. Ça m'a rappelé beaucoup de choses dès que je l'ai revu, dès que j'ai revu l'image, voilà, il va remettre sa cinématique à la con. Dès que j'ai revu l'image, laissez tomber, j'ai regardé plusieurs vidéos. Ça, c'était un truc de fou. Je me suis dit, putain, faut que j'y rejoue. Et du coup, grâce à cet émulateur, je l'ai téléchargé et je suis maintenant ici pour vous le faire découvrir à vous, si vous ne l'avez jamais vu. Donc on est parti tout de suite. Bon, il y a un petit bug pour la musique, je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi la musique tourne au ralenti. C'est parce que Fraps doit sûrement le faire un peu bugger. Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va commencer une petite partie. Avec le personnage mythique de ce jeu, évidemment. Alors là, allez, on va jouer avec ce mode là. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est bon ça. Je me rappelle de cette map, en fait c'est une espèce de map Dracula. Là où en fait, tout d'abord en fait à chaque map vous avez un personnage spécial. Donc par exemple il y a une map extraterrestre, donc vous avez le personnage extraterrestre. Sur cette map-là, vous avez Dracula, enfin un vampire. Sur la map Crocodile, vous avez un crocodile. Et sur une map Désert, vous avez... je sais plus ce que vous avez. Mais enfin, en tout cas, à chaque map, normalement, vous avez un personnage mystère. Et pour le débloquer, il faut tout simplement réussir tout le jeu ou toutes les courses. Et vraiment, vous devrez le débloquer. Voilà, donc là, vous voyez le personnage spécial. Alors pour vous en dire un petit peu sur le jeu, c'est un jeu sorti en 2004 je crois sur GameCube. Il est ensuite sorti sur PlayStation 2 et PlayStation 3 sur, en tant que Cell Damage Overdrive, en mieux fait quoi. Et justement aujourd'hui j'ai Cell Damage Overdrive. C'est cool de pouvoir vous le proposer. Là en fait à chaque début de mission il vous présente les personnages. On va leur niquer un petit peu leur race, ok. Et donc le but, c'est de buter tout le monde, évidemment, vous l'avez compris. C'est un espèce de Mario Kart-like, sauf que ce n'est pas vraiment... Enfin, le but, c'est pas vraiment de gagner la partie en les doublant, c'est vraiment de les dégommer, quoi. Genre lui, le vampire, là, tu lui niques sa grand-mère. Sans vouloir être mal poli. Non, si je m'en bats les couilles, en fait. Et vous voyez, ça part en couille de partout. Et c'est ça que j'adore sur ce jeu, c'est que ça part en couille de n'importe où et que y a toujours un bordel quand vous jouez avec quelqu'un ou même quand vous jouez tout seul, il y a toujours la... Je sais pas, c'est les gens ils se tirent dessus. Enfin je sais pas, là c'est pas exactement pareil. Puisque c'est pas du multijoueur, enfin c'est pas du multijoueur. On joue pas à deux, ah voilà. Et donc le but de ce mode là, parce que je vous ai même pas expliqué, putain quel mal volé. Non en fait c'est de récupérer tous les drapeaux et si vous ne les récupérez pas par terre, vous les récupérez par les personnes. Oh putain l'enculé il va me tuer. Vous les récupérez par les personnes justement qui vous les volent ou qui vous tirent dessus pour casser votre voiture et voler votre marteau. Votre drapeau. Et là vous voyez il y a un petit drapeau. Ah bah tiens justement les flèches rouges c'est les drapeaux.
Ah, je te l'ai niqué avant toi, Kestilitz. Oh putain. Ah non, 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 non. Ouais, ouais, ça c'est bon. Bon, là par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous me courser. Ah les bâtards. Oh là 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 là. Allez, trois drapeaux, j'ai bientôt gagné, je crois. Il en faut 6. Oh l'enfoiré, il en a plein. On va le dégommer, vous savez quoi? Ce qui m'a un petit peu déçu, par contre, lorsque je l'ai téléchargé, c'est le fait... Ah oui, d'accord. Le fait qu'on ne puisse pas... Qu'on ne puisse pas jouer en ligne. Pardon, je suis vraiment concentré dans le bordel. Qu'on ne puisse pas jouer en ligne. Sur la GameCube, je sais pas si on pouvait. Sur la PS2, c'est possible que oui, puisque bah, PlayStation, je pense que... un mode sur Overdrive était disponible, un mode multijoueur. En tout cas, s'il y en avait un, on devait bien s'éclater dessus. Mais là, sur l'émulateur, non, c'est absolument pas possible. Il n'y a pas, de multijoueur. J'ai essayé avec Sifel de créer une partie, mais c'est impossible. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai quand même des vidéos sur ce jeu. Je vous en ferai seul, bon, évidemment seul ou à plusieurs. Si on peut mettre une manette sur un PC et le clavier d'un autre côté. Ah bah tiens, d'accord. Bah ce qui est bien là, c'est que vous allez voir une deuxième map, ça c'est génial. Je vous ferai d'autres vidéos dessus. Et puis voilà. Attendez, on va peut-être choisir un autre personnage. Comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas grave. Ou un autre mode. Le mode basique, je pense. Le mode... Ah non, pas ce mode-là. Pas ce mode-là. Ouais, voilà. Ce mode-là. Non, pas ce mode-là, je t'ai dit. Ce mode-là. Voilà. Difficulté normale, facile. Allez, on va bien faire les bâtards. Enfin, faire le bâtard. Je vais sûrement me faire dézinguer comme une biatch. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai pas débloqué cette map. Bah écoutez, on va faire sur cette map là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo découverte, enfin redécouverte pour moi et découverte pour vous, vous plaira. Ça me fait énormément plaisir de retrouver ce jeu et de vous le faire en vidéo. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose ben, auquel j'ai pas mal joué quand j'étais plus petit. Comme Half-Life 2. Bon, Half-Life 2, j'étais pas non plus trop petit. Mais je veux dire, là, c'est vraiment un jeu de ouais, voilà, GameCube, quoi. Hein. C'est un truc de dingue. Alors là, le but de ce mode de jeu, c'est de buter tout le monde. Oula, enculé, les maps, elles sont abusées aussi. De buter tout le monde. Et il existe différents modes de jeu, comme je vous l'ai montré. Donc la capture de drapeau. Le passage de checkpoint. Et... Oulala, 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 wow. Calme-toi là, Jackie. Hein, Jackie Michel. Oh l'enculé, oh. Ah, mais je suis même pas mort. Ah ouais, l'aspirateur. Oh, l'aspirateur qui te défend. L'aspirateur à pute. Non, je suis une connerie. L'aspirateur qui défonce tout sur son passage, je l'avais oublié ça. Oh. Ah ouais, ouais, ouais. Comme je vous disais, il y a des modes, en fait, là où on fait le plus de points, donc vous voyez 19 sur 300 juste en haut à gauche, à remporter la partie. Il y a les checkpoints, la capture de drapeau, et le bordel comme celui-ci. Et puis je crois qu'il y en a un autre de mode, mais je l'ai oublié, je crois. Je vais vous le montrer tout à l'heure, au pire. Je pense pas le faire, mais je pense que je vous montrerai un petit peu juste... comment il est, enfin comment il est, ce que c'est comme mode. Ok, d'accord, j'ai pas compris là, j'ai pas compris. Oh, les musiques aussi, elles me tuent, oh, s'il te plaît, elles me tuent, elles, je trouve qu'elles sont excellentes. Ça aussi, les musiques, elles me rappellent un putain de truc. Oh l'enculé, oh l'enculé. Je me fais défoncer de tous les côtés. Non, pas de tous les côtés. Non! Il y a Jimmy Neutron qui nous a défoncé le tronc. That spawn. Alors, je croyais que les crocos, ils pouvaient nous bouffer à la base. Normal, le machin, tu sais. T'as des putains de...
Ah, il y a des trucs dont je me souviens pas du tout. Normal, le truc de Biatch. Tu peux carrément lancer des putains de bastos, quoi. Viens là, grosse Biatch. Par contre, c'est un peu difficile à manier. Tiens. On va défoncer la Biatch, la blonde, là, hein, la Biatch. Allez, tiens. Allez. Allez, à bientôt. À bientôt. Putain, ta mère. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Qu'est-ce que... Ah, c'est quoi, ça? Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, c'est l'aspirateur, en fait. Ah non, c'est peut-être un truc que, justement, je sais pas ce que c'est. Alors, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir les aspirer. Ok. Et allez, tiens. Tiens, le petit croco. Oh, vous avez déjà vu un croco se faire aspirer? Même ceux-là, on peut les aspirer. Ah, ils finissent en... Ils finissent en... En papier, quoi, le machin, on dirait. Allez, mange ça, putain de crocodile. Nique ta race. Toi aussi, bouffon. Moi, je bouffon. Moi, je bouffonne. J'ai gagné. Cinder, 307 crash. Ok, d'accord. C'était easy. C'était easy. C'était facile. Coup de boxe. Ah ouais, d'accord, on débloque des armes aussi. Ah, je croyais qu'on avait déjà tout dès le début, en fait. Mais je me rappelais plus, alors. Je crois que le jeu est pas très long, en plus. Il y a quelques trucs. Bon, enfin, c'est surtout pour s'amuser. Sur... Ah, pour s'amuser, bien sûr. C'est pour s'amuser, le jeu. Ah, c'est surtout pour s'amuser, pour prendre du plaisir à jouer à un jeu comme ça. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les modes... Non, les modes... Attends, on va se faire foutre. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les modes. Drapeau, combat et checkpoint. Bah, c'est tout ce qu'il y avait, en fait. C'est tout ce qu'il y a. Mais normalement, ce qu'on peut faire, c'est... C'est vu qu'il y a la map comme ça, juste ici, en fait. Ouais, ça fait ça. Normalement, il y a d'autres trucs en dessous. Je sais pas si c'est les mêmes maps. Je crois que non, c'est pas les mêmes maps. Et c'est des parties de maps différentes. Mais ça reste dans la catégorie espace, catégorie Dracula et tout le bordel. Ensuite, on débloque les trucs juste à côté. Voilà, bah voilà. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, à part qu'il est vraiment vraiment très jouissif. Il est vraiment bah, vous amusez bien dessus. Vous pouvez bien vous amuser dessus. Faire l'histoire, bon, l'histoire, c'est dommage qu'elle soit assez rapide. Enfin, elle soit assez rapide. Je crois qu'il est pas très long, le jeu. Bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Et puis voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo est déjà terminée. C'était une toute petite redécouverte pour moi et une découverte pour vous, pour ceux qui n'y avaient jamais joué encore. Et voilà, bah, je vous dis à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.